C'est dans la région jurassienne de Moutier, plus précisément à Perfitte, qu'a vu le jour la coopérative des Trois-Rivières. Issue d'une réflexion commune entre différents agriculteurs, cette communauté d'utilisation de machines agricoles, ou CUMA, a pour vocation de permettre à plus d'une vingtaine d'agriculteurs de la région de louer des machines sans supporter des frais d'achat. Une aventure qui a pris forme en 2013. On a lancé un questionnaire pour voir le besoin en machines. Et puis sur ce questionnaire, c'était aussi le nombre d'utilisations qu'on verrait. Sur ça, on a calculé nos 5 machines qu'on trouvait intéressantes. On a calculé les prix de location. Puis dans une seconde information, on a demandé aux intéressés si à ce prix-là, ils étaient à ces prix de location, ils étaient prêts à venir louer ces machines à la coopérative. Tu vas bien dans l'ordre, tu tires la corde et puis tu vas bien dans l'ordre 1, 2, 3, comme c'est noté. Chaque paysan ne doit plus acheter sa propre machine. Chaque agriculteur peut venir chercher celle qu'on a dans la coopérative. Il paye selon ce qui la sert. Par exemple, si cette machine-là, c'est austère de bois. Il est quitte d'investir dans une nouvelle machine et puis comme ça, il n'y a pas de liquidité. Ça permet de ne pas trop investir dans les machines. Pour constituer la coopérative, il fallait également pouvoir compter sur l'aide de la Fondation Rurale Interjurassienne. On est vraiment là pour accompagner le groupe d'agriculteurs, les inciter, je dirais, à réunir les personnes. Ce sont généralement eux qui réunissent les personnes. Et puis là, on se retrouve pour apprécier, je dirais, un petit peu les motivations de chacun et chacune à partir dans un tel projet, mais également à poser sur la table les freins. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un inventaire, je dirais, dans un premier temps assez, je dirais, qualitatif, des besoins de chacun pour prendre la température sur quels sont les types de matériel dont on pourra avoir besoin. Et puis dans un deuxième temps, là, on rentre dans du plus quantitatif et on demande à chacun de s'exprimer sur le type de machine dont il pourra avoir besoin et puis le nombre d'utilisations annuelles. La viabilité du projet ainsi que son côté fédérateur ont su séduire les experts bénévoles de l'aide suisse aux montagnards. Le soutien de l'ASM a ainsi permis aux initiateurs de la coopérative de se projeter financièrement pour démarrer le projet. C'était un investissement d'environ 150 000 francs. Et puis chaque membre s'est investi à raison de 10 000 francs et s'est investi cautionnaire sur les montants qui nous ont été prêtés par la suite. On a reçu un crédit d'investissement qui est remboursable sur 8 ans sans intérêt de la part de la CAB. C'est le cautionnement agricole bernois qui nous a alloué plus ou moins la moitié de notre investissement. Ensuite, on a eu des fonds de départ, donc à fonds de 2000 francs chacun. Ensuite, on a fait une demande à l'aide aux montagnards. Puis une partie, c'est la Chambre d'agriculture du Jura bernois qui nous a également fait un prêt sans intérêt. Si l'aventure est encore toute jeune, elle ne manque pas de séduire d'ores et déjà les différents membres de la coopérative. C'est vraiment un outil très, très, très pratique, ça. Pour les plus grandes, ça ne se discute même plus parce que la rentabilité d'une machine, elle est déjà sur l'exploitation. Tandis que pour les moyennes à petites exploitations, de telles machines ne sont pas rentables. Alors, c'est vraiment un outil de survie pour les petites exploitations, ça. En tout cas, après une année de vie, ça fonctionne très bien. On n'a jamais eu de souci que plusieurs agriculteurs la voulaient en même temps. On a aussi des conditions météo qui ont fait que ça permettait ça. Mais pour l'instant, on est très content du système. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse aux montagnards. Le testament public ou testament la forme authentique, c'est celui qu'on fait chez un notaire. Tandis que le testament holographe ou manuscrit, c'est celui qu'on fait soi-même, qu'on rédige entièrement de sa main, qu'on date et qu'on signe. Les deux testaments, les deux formes, ont la même valeur juridique. Quand on a une situation un peu compliquée, ou qu'on a des problèmes de santé, ou qu'on a des difficultés à écrire, par exemple, il est recommandé d'aller voir le notaire pour faire un testament public. C'est aussi utile quand on a des doutes sur ce qu'on veut faire, si on n'est pas certain que ce qu'on souhaite est possible légalement, parce que le droit des successions est assez complexe et parfois un petit peu contraignant. Le testament public, comme je le disais, ça se fait devant notaire. Donc on prend rendez-vous avec son notaire. On prépare peut-être sur un bout de papier ce qu'on souhaite voir figurer dans son testament.
on l'explique au notaire, le notaire en prend note, il fera peut-être quelques commentaires pour dire si cela est possible dans cette forme ou dans une autre, et puis en fin de compte, il rédige le testament et il le matérialise devant témoin. C'est le testament public. Ce qu'il faut dire, c'est que la validité du testament devant notaire est identique à celle du testament manuscrit, mais néanmoins, en cas de litige, les testaments passés devant notaire, les testaments en la forme authentique, résistent mieux aux attaques éventuelles.